Et si, puisqu'Avis aux amateurs a repris cet été, nous parlions d'un blow-up de pastèque. Avec, pour commencer, la première pastèque que l'on goûte, que l'on mange et que l'on apprend à aimer. Et puis, il y a celle que l'on apprécie en grandissant, telle une pastèque de Proust. Car des pastèques adulées par les humains, il y en a, au point d'en organiser des festivals en tout genre. Pour en avaler le plus possible, ou le plus vite possible, ou encore pour réaliser des parcours étranges. Et puis, il y a la pastèque que l'on aime tellement, au point de la voir mourir de la plus belle des manières, avec un marteau, avec ses poings, ou encore avec une autre pastèque. Enfin, il y a des performances diverses de ceux qui en ont trop pris. De pastèques. Get your watermelon ready. Here we go. Watermelon. Watermelon, how it drips, blah! Et puis, il y a Agnella, qui nous apprend comment faire des cookies en forme de pull pastèque. Bref, cela nous a donné envie d'établir un top 3 subjectif de la pastèque à l'écran. Notre numéro 3, un western géorgien, entre deux vendeurs à l'étalage de pastèques. Numéro 2, une pastèque qui mène une campagne électorale afin de promettre un monde meilleur. We can create jobs and fight poverty. We want something new. We want to turn the page. The world as it is not what it has to be. We need a fresh new start. En numéro 1, la représentation de la pastèque à Taïwan.